Coucou et bienvenue sur le vlog du Jardin des Énomes. Avec Whisky, on va vous parler de taille. Cette semaine, nous avons taillé le sol pleureur. C'est le premier arbre de l'année que nous taillons. Coucou Grisou. Et nous avons aussi taillé le chèvrefeuille qui était complètement par terre à cause des tempêtes successives de l'année dernière. Et donc nous avions deux chèvrefeuilles collées sur une sorte de treillage. Et en fait tout est tombé, donc il a fallu le tailler. Donc on va parler de ça également. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et maintenant nous allons partir pour les tailles. On y va! Maintenant, c'est un méli-mélo qu'il faut démêler pour avoir le broyat et séparer les croisillons avec des morceaux de fer qu'on ne peut pas broyer de tout le reste qu'on peut broyer. Donc voilà. Ça m'a recoté. Du coup, j'ai un autre pied. C'est cool. C'est un chèvrefeuille mandarin. Je savais pas qu'on pouvait les bouturer aussi facilement. Il est un peu particulier celui-là. C'est cool ça. Éclaircit bien le centre. Et après, ce qu'on fait généralement, c'est que toutes les branches qui partent vers le haut, on les taille et on garde toutes celles qui restent à peu près droites pour faire un parasol, et uniquement celles-ci. Thank you.
Ah non, j'ai pas coupé. Alors, rapide coup d'œil sur les semis. Donc là, on voit que les semis d'aubergines commencent à pousser. Donc ça, c'est les premières. Ah, les autres vont suivre. Elles sont un tout petit peu plus tardives. Ceci, c'est les laitues que j'ai semées il n'y a pas très longtemps. Donc c'est normal qu'on ne voit pas encore le bout de leur nez. Les patates douces. Et donc, petite précision que j'ai oublié de faire lors de la vidéo des patates douces. Il faut impérativement changer l'eau dès qu'elle commence à se troubler. Donc, généralement, tous les 2 jours, il faut changer un petit peu comme le noyau d'avocat. Ça, c'est les citronnelles. Et donc, ça, c'est les noyaux de mangue qu'il va falloir que je repique dans un pot de terre. Donc, on verra ce que ça donne. C'est la première année, hein. C'est des mangues sauvages en plus. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et voilà, les tailles les plus compliquées, ce sont en général les fruitiers. Donc ça, je vous montrerai au moment où je les ferai, c'est au mois de mars. En attendant, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous y abonner, à la partager et à me dire même en commentaire si vous avez des sujets qui vous intéresseraient ou s'il y a des sujets qui ne vous intéresseraient absolument pas. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser afin de vous faire participer à l'élaboration de cette chaîne. Je pensais partager des petites astuces comme ça au quotidien pour la vie aussi dans la maison sur le thème de l'écologie, fabriquer ses lessives, etc. Je sais qu'on a beaucoup sur le net, il y a beaucoup de tutos sur le sujet, mais je voudrais savoir si ça vous intéresserait d'avoir également des tutos de ce genre sur cette chaîne. Donc mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous êtes OK avec ça ou si ça vous intéresse pas du tout. Donc n'hésitez pas, c'est grâce à vos commentaires que la chaîne peut évoluer. Donc merci beaucoup. Je profite aussi de remercier tous les nouveaux abonnés à cette chaîne. Je vous dis un grand merci. Et à 500 abonnés, je pense qu'on fera une petite chose pour vous remercier tous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bisous! Si quelque chose. Oh, mais attends, je vais y arriver ou quoi? Ouais, je te gêne. Mais non! J'arrive pas à le. En plus, je rigole parce que je me fais rire tout seul.